Bonjour Clara. Bonjour Kirill. Merci d'être venu aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos chers auditeurs ? Alors, je suis une personne de 27 ans. Je travaille en promotion sociale comme enseignante de français langue étrangère. En quoi est-ce que c'est important pour toi de témoigner ? C'est important parce que plus on entend des réalités différentes, on peut se rendre compte que les personnes autistes ne sont pas une espèce de groupe homogène et qu'il y a différents courants, différents types de personnalités, à différentes trajectoires de vie aussi. Et pour vraiment sortir de la dichotomie, de vraiment cette idée que soit les autistes sont incapables de faire quoi que ce soit dans leur vie et seront toujours... à ne rien faire et un poids, et des personnes, des génies, alors que simplement les autistes sont des personnes comme les autres, avec des forces et des faiblesses, comme les autres. Même si elles ne se situent pas toujours au même plan. Et donc, pouvoir avoir accès à différentes trajectoires permet d'avoir une espèce de bibliothèque plus vaste. Et comment est-ce que toi, tu as découvert l'autisme ? Ah. On retourne quelques années en arrière, et à ce moment-là, j'étais en dépression, sortie de dépression. Enfin, ça a pris longtemps pour que j'en sorte. Et une amie a partagé un article sur Facebook, avec une vidéo de sensibilisation sur l'autisme, mais à destination des enfants. C'était un petit dessin animé. Et c'était pas la première fois que je tombais sur des choses sur l'autisme, mais la première fois qu'il y a eu une résonance chez moi et j'ai commencé à faire des recherches. Je saurais pas expliquer pourquoi, parce que ce qui était présenté là, je n'avais pas l'impression que ça me correspondait. Mais il y a eu une résonance et j'ai commencé à faire des recherches. Et 3 jours plus tard, j'avais un peu mieux compris. Qu'est-ce que tu avais compris de plus qu'avant ? J'ai pu commencer à expliquer toutes mes difficultés sociales. Au niveau de ma sociabilisation, j'étais partie avant pendant 1 an à l'étranger, en Espagne. Et en fait, là-bas, j'ai eu beaucoup moins de difficultés à m'insérer socialement. Je me suis d'ailleurs fait la réflexion que le fait d'être dans une culture étrangère avec une langue étrangère, les gens n'attendent pas à ce que tu respectes à 100% leur code social. Et que donc j'avais beaucoup moins de difficultés en fait à m'insérer là-bas. Et à l'époque, j'avais pas du tout entendu parler de l'autisme. Et du coup, en faisant ses recherches, en lisant sur le sujet. Donc ça avait été une grosse explication au niveau de mes sensibilités émotionnelles, mon rapport aux autres aussi. Mes sensibilités sensorielles aussi. J'ai de grosses hypersensibilités au niveau du goût, par exemple. Et donc ça a été toujours assez compliqué. Mais du coup, j'ai commencé à plus observer mes sensibilités, mieux les comprendre. Mais au niveau visuel, au niveau tactile, où il y a plein de niveaux, ça a commencé à expliquer. Même si quand je lisais des témoignages et quand je les lis, je me reconnais très très peu dans ce qui est présenté. Donc je ne sais pas si c'est une difficulté d'interpréter vis-à-vis de moi ce qui se passe ou simplement que ma réalité est différente comme elle l'est pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que tu es autiste ? Eh bien, ça a été un long parcours, d'abord de lecture, et puis pour essayer de trouver un organisme ou des organismes ou des personnes habilitées à diagnostiquer aussi l'autisme. Je suis d'abord passée par un organisme qui a confirmé, mais qui ne m'a pas spécialement donné de contact pour aller vers un psychiatre ou de ressources, parce que j'habite à Bruxelles, et à l'époque j'habitais encore même à Braine-l'Alleud. Et donc pour arriver à Liège, c'était un peu compliqué. Et donc il y a beaucoup de choses à Liège, mais à Bruxelles, j'arrivais pas à trouver. Et donc à ce moment-là, il n'y avait pas de personne de ressources, donc j'avais eu cette espèce de confirmation, mais je me retrouvais quand même tout aussi seule et démunie, avec chroniquement des doutes, et puis oui mais non, mais dès que j'ai un bonjour, clairement c'est pas possible, et puis le lendemain, j'étais complètement en down, et donc du coup... Du coup, ça devenait plus possible. Voilà, ça a pris énormément de temps. Et puis, un peu par hasard, j'ai découvert Autisme en Action. Et là, j'ai pu rencontrer d'autres personnes. J'ai pu avoir des contacts. Et là, bon, avec Autisme en Action, il y a des rencontres qui sont organisées, plein de thématiques, etc. Et donc, sur différentes thématiques, différents types de rencontres. Donc là, effectivement, si avant, je me suis toujours sentie à part et différente dans un groupe. Et là, pour la première fois, quand je rencontre d'autres personnes autistes, j'ai cette espèce de compréhension mutuelle où je me sens pas...
à part, un peu une alien. Juste pour revenir en parenthèse par rapport à, tu parlais d'hypersensibilité, ces signes au quotidien, comment ils t'affectent ? En tout cas, pour l'instant, c'est principalement de manière négative. Enfin, je vois plus le côté négatif, c'est-à-dire que je vais être plus vite fatiguée. Donc par exemple, si j'ai certains sons que je ne supporte vraiment pas, et si j'y suis exposée plusieurs minutes d'affilée, toute mon énergie de la journée en fait sera évaporée en 10 minutes. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. 10 minutes. Ouais, une fois c'était j'allais visiter des tiny houses et il y avait une espèce de caméra là qui vole sur drone et ça avait une espèce de bzzz. Ça a pris 10 minutes, hein, mais bon, j'étais déjà pas très en forme ce jour-là. Mais en 10 minutes, c'est bon, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit, de visiter, de. On était à Dinan, donc on avait envie de se promener, d'aller voir une grotte, j'ai plus rien su faire quoi. Donc ça, c'est par exemple, c'est un peu compliqué. Les lumières aussi qui ont la lumière très forte, mais surtout celles qui contiennent du bleu dedans, ça me donne la migraine. Donc ça aussi, ça rend le quotidien un peu compliqué. Beaucoup de bruit, je suis très sensible au bruit en fait, principalement. Quand il y a beaucoup de bruit, ça va plus vite me fatiguer. Les transports en commun, ça c'est un peu un cauchemar. Au niveau du goût, par exemple, je suis très difficile pour manger. Parce que chez moi, mes difficultés alimentaires vont se placer au niveau sensoriel, mais vis-à-vis des légumes et des fruits, principalement. Donc j'ai énormément de mal à absorber des fruits et des légumes. Pas que je ne veuille pas, mais c'est juste trop difficile. Et au plus je suis fatiguée, au moins je vais savoir faire un effort pour en manger. Et tu sais qu'est-ce qui, dans les légumes et les fruits, te dérange ? Alors c'est un mix, il y a le côté, les fruits et les légumes sont jamais exactement les mêmes, donc le fait que parfois il y ait une différence, ça va rendre les choses un peu plus difficiles, surtout si je suis fatiguée et que j'ai besoin de routine et de cohérence et d'habitude. Mais parfois ça va être l'odeur, parfois ça va être visuel, et parfois ça va être la texture, et parfois le goût, et parfois c'est tout ensemble. Est-ce que, par exemple, dans l'enfance ou dans l'adolescence, est-ce que tu remarquais déjà que tu étais un peu différente, et à quoi est-ce que tu pouvais l'observer? Ou est-ce que tu ne remarquais pas beaucoup de choses, et est-ce que c'est venu avec le temps? Je sais pas si la conscience d'être différente est apparue très tôt, ça je ne pense pas. Par contre, j'ai clairement des souvenirs où, par exemple, j'étais en deuxième ou troisième maternelle et je jouais dans mon coin, j'étais pas du tout intéressée par les autres, et puis d'un coup j'entendais les autres utiliser un jouet ou avoir une thématique de jeu qui était liée à mes intérêts. Donc du coup, tout d'un coup, je m'intégrais à leur jeu. Alors, je sais pas de quelle manière exactement je m'intégrais vraiment à leur jeu, mais... Et puis je continuais dans mon idée. Puis à un moment, je levais la tête, je regardais et je leur constatais qu'ils avaient disparu. Alors que pour moi, j'étais encore en train de jouer avec eux. Et puis du coup, je partais à leur recherche, je leur demandais « Mais pourquoi vous êtes partis? Vous êtes partis quand ?» Mais à mon avis, ça devait faire 10 minutes, un quart d'heure, ou plus. J'ai aucune idée depuis combien de temps ils étaient partis, mais ils étaient partis par exemple. Donc voilà, j'avais ça. Mais en fait, j'ai été dans la même école jusqu'en deuxième primaire, et après j'ai déménagé à Braine-l'Alleud. Et donc à ce moment-là, il y a un gros changement qui s'est opéré, parce que je me suis plus jamais intégrée dans un groupe social à partir de ce moment-là. Donc j'ai eu 8 ans à ce moment-là en fait. Et donc là, oui, clairement la différence a été beaucoup plus conscientisée, mais plus dans le fait de rejet. Mais j'étais pas la seule nouvelle, et chaque année quand il y avait des nouvelles personnes à l'école, dans ma classe, elle n'arrivait pas à s'intégrer non plus, ou très difficilement. Donc c'était pas uniquement mes différences. Comment est-ce que tu as évolué socialement à l'âge adulte ? Donc je m'en sortais de mieux en mieux socialement. Je pense que c'est vers le milieu de l'adolescence, vers 15 ans, où j'ai commencé à vraiment essayer de... Avant j'essayais de socialiser, mais je comprenais pas que j'étais différente, et donc j'essayais pas de m'adapter vraiment aux autres. Donc c'est vers 14-15 ans où j'ai commencé à vraiment faire des efforts conscients pour à observer les autres, comment ils faisaient. Je faisais déjà un peu ça avant, mais j'ai vraiment mis ça en place à ce moment-là. Commencé à m'observer les types de gestes, le vocabulaire qui était utilisé, les types de chansons que les autres écoutaient, ce genre de choses. Ça ne m'a pas beaucoup plus intégré que ça, mais c'était un peu mieux à certaines périodes. Et puis est arrivé l'UNIF,
Et je me suis très bien intégrée dans le groupe la première année d'université. Et puis malheureusement, ce groupe a réussi son année et moi pas. Donc moi, j'ai doublé. Et je me suis plus réintégrée dans le groupe qui a suivi. Parce que ma première année d'université, je crois qu'on était plusieurs atypiques. Pas spécialement autisme, mais on était plusieurs atypiques. Enfin, beaucoup d'atypiques en fait dans le groupe, je pense. Et donc il y avait une très chaude dynamique dans une partie de la classe qui ne s'est pas exactement retrouvée l'année d'après. Voilà, mais j'ai continué à évoluer socialement de mieux en mieux. En tout cas, dans les contextes où je dois pas trop m'impliquer, ça reste toujours des relations de surface. Des relations où je rencontre la personne à l'école, au travail, à l'UNIF. Et ça reste toujours assez bien en surface, en fait. C'est jamais des amitiés qui connaissent, des relations qui vont se transformer en amitiés durables et qui sortiront du cadre et du contexte dans lequel je les ai rencontrées. Si tu devais donner un ou plusieurs conseils à la plus jeune Clara, par exemple la Clara de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? En tout cas socialement. Que les gens remarqueront toujours ma différence et soit ils vont l'apprécier, soit ils ne l'apprécieront pas, mais ce ne sera pas dépendant de ma volonté en fait. Donc des personnes apprécient en fait la différence et vont la rechercher ou vont apprécier les inputs que moi je peux donner, mes avis, et d'autres personnes ne vont pas supporter la différence, en tout cas telle que moi je suis. Enfin, personne ne supporte tout le monde, que la personne soit neurotypique ou pas. C'est le cas pour tout le monde, donc il y a des gens qui vont apprécier une personne ou détester une personne, parfois pour la même raison. Et aujourd'hui alors, tu es enseignante en promotion sociale. Oui. Et en tant qu'enseignante, est-ce que tu remarques justement des atypismes dans tes classes? Et à quoi est-ce que tu les remarques par exemple? Alors oui, je remarque des atypismes, je remarque des dyslexies, des dysorthographies, de l'autisme, du TDAH. Par exemple, j'avais l'année passée, dans un niveau beaucoup plus élevé, un élève qui était systématiquement en retard, qui oubliait en partant systématiquement son sac à dos, entre autres, hein, parce que tout à la fin de l'année, il avait oublié son téléphone qu'il avait mis à charger et des trucs dans le banc aussi. je remarquais aussi en cours qu'à chaque fois que je le mettais au travail pour écrire un texte, pour faire un exercice, et quand je passais entre les bancs pour voir si ça allait, pour vérifier tout se passait bien, systématiquement, elle était dans la lune, et systématiquement, je vais lui réexpliquer la consigne et le remettre au travail. Et en fait, je devais régulièrement venir vérifier qu'il était en train de faire l'exercice, et surtout dans le bon sens. Et à un moment, vers la fin de l'année, j'ai eu l'occasion, parce que justement, il avait oublié 36 trucs dans la classe cette fois-là, c'était encore pire que les autres fois. Et je lui ai demandé, ça t'arrive souvent d'oublier des choses, d'être en retard, c'était comme ça quand tu étais enfant. Et parfois, quand t'as des trucs qui t'intéressent beaucoup, ça se passe comment pour au niveau concentration? Voilà, des questions un peu typiques vis-à-vis du TDAH. Et voilà, j'ai donné quelques exemples personnels. Moi, quand j'étais enfant, hein, je perdais, mais tout. J'ai tout perdu, quoi. Je crois que toutes les deux semaines, ma mère pouvait me racheter une paire de gants en hiver, quoi. Donc, c'était... je perdais mes sacs. Adolescente, si j'avais deux sacs, j'en perdais un. C'était infernal, quoi. Et par exemple, aujourd'hui? Alors, j'ai développé des techniques. Vers 17-18 ans, j'ai eu une espèce de déclic où j'ai vraiment mis en place des choses pour éviter d'oublier mes sacs. Par exemple, j'ai beaucoup pris le train. Et donc, dans le train, si je n'ai pas mon sac accroché à mon épaule, il est entre mes pieds. Et si je me lève, je trébuche dessus si je le prends pas. Par exemple, ça, voilà, j'ai développé des petites techniques comme ça. Certaines plus sympathiques que d'autres. Et alors, dans ce métier d'enseignante, comment est-ce que tu vis ton atypisme là-bas? Comment est-ce que tu t'adaptes à ce métier? Et en quoi ce métier peut s'adapter à ton fonctionnement? Donc en fait, j'enseigne une de mes passions. Mmh. Ce qui fait que quand je donne cours, je suis dans un de mes intérêts, donc je ne perds pas énormément de cuillères. Surtout si le groupe n'est pas énorme. J'ai parfois des groupes de 10 cuillères, personnes. Tu dis? Des cuillères, ma jauge d'énergie. Ta jauge d'énergie. Il faut expliquer pour les gens les petites cuillères. Donc en résumé, on a comme plusieurs cuillères d'énergie par jour à utiliser. Donc une certaine proportion d'énergie. Et justement, des activités peuvent, par exemple, aller faire ses courses. Ça peut demander. Ça peut consommer pas mal de cuillères. Voilà, et si on n'a pas assez de cuillères, du coup, soit on n'arrivera pas à faire l'action, soit.
Ça se répercutera très fort le lendemain ou pendant plusieurs jours. Voilà. Pour pouvoir récupérer. Et puis il y a aussi des moyens de récupérer de l'énergie. De bien récupérer sûr, on peut en perdre et on peut en récupérer. Ouais. On peut en récupérer avec le sommeil, mais aussi avec d'autres activités plus plaisantes. Voilà, et ça dépend de chacun. Ouais. Sur ses intérêts, sur des activités sensorielles, sur les passions, sur plein de choses. Rencontrer des gens, avoir tirer du plaisir d'une activité, simplement. Et toi, alors, qu'est-ce qui te redonne, justement, des petites cuillères? Alors, ce qui me redonne des petites cuillères, la lecture. Ça, c'est depuis toujours. Le dessin, je me suis récemment mise au dessin et ça m'aide, en tout cas, à me détendre et à faire autre chose. Regarder des séries que j'aime bien. Aujourd'hui, il y avait plusieurs thématiques aussi que tu voulais aborder. Oui. Par exemple, il y a la question du genre. Au niveau identitaire, comment toi tu te positionnes par rapport à la question, par rapport au genre? Est-ce que tu te par sens rapport femme, au genre, est-ce voilà. que tu te sens homme? Donc j'y arrive. Donc ça fait tout un questionnement, etc. aussi, à ce niveau-là. Et petit à petit, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, le fait d'être un homme ou une femme correspond à toute une série de critères auxquels je ne m'identifie pas et qui n'ont en fait pas de sens pour moi, de la même manière que l'attraction physique est quelque chose, en fait, je comprends le concept, mais c'est un concept. Et en fait, je comprends pas ce que c'est dans la réalité, et le fait d'être un homme ou une femme, c'est quelque chose vraiment qui ne me parle absolument pas. Dans la communauté autistique, en fait, on est surreprésenté dans la communauté LGBT. Que ce soit au niveau du genre, de l'orientation sexuelle, on est surreprésenté et il y a même un mot qui commence à sortir dans la communauté autistique qui est autigenre, de auti et auti de autisme et genre, parce qu'en fait on ne se reconnaît pas du tout dans les définitions genrées et d'orientation sexuelle en fait. Et ça rentre pas spécialement dans nos propres notions, en tout cas pour une grande. Pour pas mal de personnes, vu qu'il y a quand même un terme qui en est ressorti. Maintenant, oui, c'est peut-être lié à mon atypisme, mais en même temps, ça fait partie de mon fonctionnement. Donc me dire que si j'étais pas autiste, est-ce que je m'identifierais plus dans les codes normés, ça, je peux pas dire, en fait. Oui, c'est important de faire la différence et d'avoir, effectivement, on n'est jamais que autiste. On n'est jamais que autiste, mais toute notre perception de la réalité, donc notre réalité, est influencé par le prisme de l'autisme, puisque c'est une manière d'être soi, une manière d'être au monde, et c'est un type de perception, et c'est un type de raisonnement et de pensée au niveau neuronal, en fait. Et donc dans le côté positif, justement, par exemple de l'autisme, aussi de l'atypisme, quelles sont pour toi les forces que tu trouves dans ton fonctionnement? Ben, je suis passionnée dans ce que je fais, et du coup, par exemple au travail, puisque ça fait partie de mes intérêts, mes collègues le ressentent, et d'ailleurs j'ai commencé à travailler il y a un an et demi, et j'ai des collègues qui viennent et qui me demandent « Toi Clara, qui as toujours de bonnes idées, qu'est-ce que tu ferais, ou est-ce que tu as une idée pour cette situation-là, ou qu'est-ce que tu ferais pour tel type d'activité ?» Donc déjà j'ai des collègues qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience, par exemple. Et je pense que ce côté passionné est ressenti par mes élèves. Je pense que mes élèves aussi ressentent que je suis atypique. Ils savent pas comment, pourquoi, je masque les choses trop bien. Mais j'ai cette espèce de positionnement vis-à-vis d'eux, où je suis, oui, enseignante, mais je suis à leur hauteur. Donc c'est pas moi qui impartis les connaissances, je suis là pour leur donner accès aux connaissances dont ils ont besoin pour pouvoir s'intégrer en Belgique. Et donc en fait, je pense que vraiment ils sentent ce fait que comme j'ai toujours expérimenté la différence, et eux en arrivant en Belgique, ils expérimentent la différence très fort aussi, ils ont cette espèce de sensation qu'ils ne savent pas toujours expliquer. Parce qu'évidemment, je suis belge, blanche, donc ça n'apparaît pas de manière évidente que j'expérimente la différence et l'altérité. Mais je pense que c'est quelque chose qu'ils ressentent aussi, d'une certaine manière. Donc ça crée un lien avec les élèves, et j'ai vraiment toujours un très bon rapport avec les élèves, beaucoup de respect. Donc voilà, je pense qu'en tout cas dans mon travail, ça se ressent que ma passion pour ce que je fais, le côté que j'expérimente l'altérité, donc en fait, pas la même qu'eux, mais finalement, il y a cette espèce de sensation un peu palpable qui se retrouve dans la classe. Et on est un peu tous ensemble dans le même panier, même si... c'est pour des raisons différentes. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Clara. Avec grand plaisir. Pour ta présence et ton témoignage. C'était très chouette. Et voilà, et on se retrouve donc pour le prochain podcast.
Merci à toutes et à tous. Je vous attends pour les vidéos suivantes qui viendront chaque semaine égrenées tout le mois d'avril. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Autisme en Action, Autiste en Action, notre chaîne YouTube. Et vous pouvez mettre des commentaires ou nous contacter à notre adresse mail qui est inscrite ici en dessous. À très bientôt, au revoir.